Après avoir testé le fou du démon de Brook, il est l'heure de... Et aussi après avoir testé sa sword, c'est vrai, il est l'heure de... Non, justement, ça, Sungun, ça soul guitar. Voilà, il est l'heure de tester sa sword. Et oui, on va tester du coup la sword de Brook plus la nouvelle sword. Donc attendez que j'aille voir tout ça. Donc nous avons la Frozen Soul et nous avons le Neptune Trident. Deux petites nouvelles swords à tester, ça va être très cool. Donc on va directement commencer par la sword de Brook comme ceci. Voilà, donc elle est ici. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, oh là là, oh, ça pique tel un cœur dans la flac, comme ça là, parfait. Donc nous avons 1000 masteries à monter, hein. Je vous dis que les gars, hein, c'est pas de tout repos là, toutes les masteries qu'on va devoir monter, mais c'est parti. À qui de des rois, boum, oh yo yo, waouh, l'anime et la gling gling gling, on la découpe, soul perse là, boum. Oh, OMG, l'attaque va faire beaucoup trop de damage. OMG, l'attaque va être trop cheatée. OMG, je fais déjà beaucoup trop de damage, sachant que ma sword n'est même pas encore montée en mastery. Oh là là, qu'est-ce que ça va être cette sword. Ok, je pense qu'elle va être OP, mais à quel point, je pense que je m'y attends encore pas du tout. Mastery 800, ok, on a déjà bien up. Voir la fête du combien déjà, là, le Z. Je pense que le Z, il va monter bien trop. Ok, on est à presque 700 millions. Ensuite, nous avons le Blizzard Bandroll. Je sais pas si ça voudrait dire quoi, Bandroll, mais du coup, la tempe... Ah, allez, je crois que... Je l'ai mis au mauvais entre l'attaque. Attendez, on va un petit peu mieux se positionner. Ok, là, comme ça, et là, boum. Ok, ok, 800 millions. Juste 800 millions. Ok, l'attaque, moins que c'est moi qui est complètement fou, mais pour moi, ça c'est OP, les gars. Ça fait beaucoup trop de damage là pour moi. C'est incroyable. D'ailleurs, on fait du combien quand okay, on fait du 37 millions par clic. Il est quand même plutôt big. Après, nous avons le Soul Parado. Boum. Ok, ah, c'est juste, on la fait en glaçon gratuitement. C'est en full bonheur, en full kiff. Ok, c'est glaçon parti, ça part. Ok, très bien. Après, nous avons le Blizzard Flash. Ok, Blizzard Flash, super stylé la compétence. Moi, j'aime bien, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je la trouve très stylée la compétence. D'ailleurs, faites-moi vos petits retours à chaque fois en commentaire. J'aime bien. Je lis beaucoup les commentaires sur la chaîne secondaire, vu qu'il y en a beaucoup moins que ma principale. Du coup, je prends beaucoup le temps de tout les lire et tout. Et du coup, ça me fait vraiment très plaisir quand je vois que vous participez aux vidéos. Et du coup, si on fait genre un petit combo là, comme ça, là pour voir, j'ai mis aucun clic, les gars. Ok, on a presque 5B. Ensuite, le B Soul. Dis-moi par pitié que c'est comme le B de la Soul Can. Non, c'est une compétence. Ok, par contre, ça a l'air d'être une fat compétence. Ok, on va attendre les 17 secondes et on va la refaire. Cela, j'ai fait 1B damage sans la qui des rois. C'est énorme. Plus que 2 secondes. Et c'est vrai que là, maintenant, on va pouvoir monter ma souris 2000. Ça va être énorme. Et là, il va falloir que je fais le B. Oh, ok. Oh, c'est la compétence. Bon, je sais pas comment j'ai fait un B tout à l'heure. Peut-être là, je l'ai un peu mal fait. Je sais pas. Mais ok, très stylé. Par contre, on fait quand même beaucoup de damage. Sachant qu'on n'a pas la qui des rois. Hein. C'est quand même très très beau. Attends, les gars, faut bien profiter de notre fameux fruit. Hop, là, le V et là, le B. Oh là là, le petit réveil. Et les gars, non, mais attendez, mais parlons-en, s'il vous plaît. 2 secondes. J'ai la outfit de Brook. J'ai le fruit de Brook. J'ai la guitare de Brook. J'ai sa soul canne de Brook. J'ai tout. Je suis Brookman, les gars. Je suis lui, en fait. Vous me connaissez pas? Bah, maintenant, vous me connaissez, c'est nickel. Et là, il lui reste plus que 400 millions de PV. Allez, allez, on clique et voilà. Terminé. Ma souris 2000. Ah ouais, on est carrément bien monté. On va attendre qu'un... Arrête, calme-toi. On va aller voir Bangkok, les gars. On va activer la qui des rois et on va voir, on lui met combien de damage en un full combo. On va se mettre à cliquer aussi, ça peut être pas mal. Ok, à qui des rois, c'est parti. Là, Z, X, C, V, B. Ok, et là, ça monte. Ok, enfin, oh, on fait un 10B damage, c'est tout. C'est exponentiel, vraiment, c'est OP les damages. Mais ok, tout va pour dans le meilleur du monde. Ok, très bien. On retourne de l'autre côté et on va tester du coup, là, maintenant, la seconde sword qui est du coup la Neptune sword qui est du coup juste ici. Ok, hop, on la prend, on l'équipe, elle est juste là. Oh là, il va avoir 500 masteries. Cette fois, on en a un peu moins. On en a quand même tout de même quelques-unes. De toute façon, dès qu'on va en kill une, ça sera fait. On aura déjà tout débloqué. Donc, nous avons le Water Beam, la boom. Ok, compétence très basique. J'aime bien, c'est du basique. C'est du simple, c'est du efficace. Ok, donc là, hop, on l'équipe. Parfait, masterie 800. On débloque du coup toutes les compétences, littéralement. Donc, après le Water Beam, nous avons le Bubble Meteor. Ok, ah si. Ouais, ça a pris grave du temps à atterrir, c'est incroyable. Ouais, je crois bien que c'est une vraie météorite qu'on va pouvoir checker dans les airs. Et là, attendez, là, on fait le X et là, on aura dans les airs. Oh oui, oh oui, d'accord. Oh, la big météorite d'eau qui tombe des airs. Ok, incroyable. Après, nous avons la Water Tornado, donc une tornade de... Oh, elle est super jolie. Oh là là là, elle est super jolie. C'est le genre d'attaque qui font beaucoup trop de damage. Après, nous avons le Shark Rush. Ok, et là, oh, il est. Ok, Shark Rush, j'aime bien. Et nous avons le Bubble King. Qu'est-ce que c'est le Bubble King? Ok, encore un truc qui... Ah non, ok, c'est bon. Oh là là, ça c'est trop bien. Moi, je voulais trop ça sur la Soul Can, mais bon, malheureusement, on l'a pas eu. Ok, ça c'est incroyable. Et là, du coup, toutes nos compétences, elles sont juste plus OP. Et là, boum.
Boum! Et ouais. La tornado. J'aime bien la tornado qu'elle soit faite sur nous, par contre. On a beau à se déplacer, elle se déplace avec nous. Et ça, j'aime bien. Personnellement, je sais pas trop qu'est-ce que vous en pensez. Chak Rush. Une attaque ou de la one shot? Ok. Bon, bah écoute. Ah, c'est normal dans le milieu. Par contre, oh, elle est stylée. Moi, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, là, j'aime beaucoup la sword. Les compétences et tout, c'est vraiment très, très stylé. Cling, 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 cling. T'as du combien là de damage? Oh. Du 11 000. Ah, mais oui, on a plus là qui des rois. Ok, c'est pour ça. Là. Ah non, c'était pas cette. Attends. Ouais, prends les damage, prends les damage. Mais c'était pas cette compétence que je voulais te faire. Moi, je vais te faire le shark rush. Eh, j'aime bien là. Là, boum. Voilà. Oh, c'est trois requins qui partent carrément. Oh, d'accord. Incroyable. Là, on peut aussi activer notre petite Soul Can. Et ouais, parfait. Nous l'avons aussi en bleu. Mais regardez-moi ça. Mais la sword. Mais oh là là, quelle dinguerie la sword. Là, on enlève la qui des rois. Trop belle. Elle est trop belle. Je vais trop galérer à la détourer. Ça va être un banger. Oh là 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 là. Non, ouais, elle est magnifique. J'aime beaucoup trop. Oh là, mais j'aime trop One Free en fait. J'aime trop ce jeu, les gars. J'aime trop. C'est incroyable. Du coup, ouais, le Shack Rush. Là, on fait le V. Ouais, donc c'est vraiment bien. 3 requins. Bon, par contre, ça part vraiment en cacahuète. Hein, si on y balance un petit peu trop loin. Et on va revoir l'acquis des rois. Donc, activant l'acquis de l'armement. On va attendre notre Shark Rush. Et on va pouvoir faire toutes les compétences. Voir si on arrive à dépasser notre confrère la Soul Can ou pas. D'ailleurs, t'as combien de PV toi? T'as 11B. Ok. Bon, si on arrive à te one shot, c'est dire qu'on a dépassé notre frère la Soul Can. L'acquis, l'autoclic est parti. L'acquis des rois. Et oh, c'est parti. C'est parti. Z, X, C, V. Ok. Dis-moi qu'on dépasse notre frère. Ok. Et là. Ok. Et là, on part. Non, on a pas réussi à le dépasser. 9B. Quel dommage. Et là. Voilà, ah, ça. Et là. Bah, en vrai, je pense en DPS, on en a peut-être un peu plus. Hop là, voilà. Hop là, la météorite qui s'abat sur toi. Ah, bah attends. Je crois qu'on était pas mastery. Attends. Je crois bien que je suis en train de me faire arnaquer. Je crois bien que je n'étais pas mastery 2000. Faut que j'aille checker ça. Je vais aller checker ça de mes propres yeux. C'est parti. Ok, on lui rebalance toutes mes compétences. Je crois que j'étais pas mastery 2000. Ah, j'étais pas mastery 2000, effectivement. Là, je fais du 11B là maintenant. Oh là 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 là. Oh le bonheur. Oh le miel pour les yeux. Allez, abat-toi sur toi. Hop là. Oh, j'aime trop le X. Le X, c'est une dinguerie, les gars. Ok, donc ça aussi, c'est passé mastery 2000. On a à peu près tout qui est mastery 2000. C'est incroyable. Par contre, c'est vrai que ça change. Mais attendez, vous êtes en train de me dire, du coup, là, cette sword est mieux que la soul. Oh là 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 là. Ok, ça en dit long quand même. Ok, donc là, bah, je jouais la Neptune. De toute manière, j'allais quand même la jouer si je la trouve esthétiquement plus jolie. Ah, mais non, mais attendez. Je crois qu'on n'a pas testé la fameuse. La fameuse qui détrône tout le monde. Activons. Hop là, le B. Et là, je crois bien que elle, en termes de pure damage, elle détruit tout le monde. Là, on réactive ça. Voilà, ok, parfait. Là, Z, X, C, V. Elle, je crois, elle fait beaucoup de trop. Ah oui, oui. Ok. 13 B damage. Excuse-moi, les. Oh, les petits dégâts de la Fire Reaper C. Non, elle est, en plus, esthétiquement, elle est trop, trop belle, elle aussi. Regarde-moi ça. Oh là là là. Et là, on la fout dans le dos comme ça. Oh là là. En plus, par contre, et Peido était trop fort d'avoir laissé les trucs là comme ça. Moi, j'aime trop. Là, que ça enlève pas l'enchantement. Hop, tu reprends, c'est toujours en mode enchanté et tout. C'est vraiment magnifique. Hein. Je sais pas trop qu'est-ce que vous en pensez. Je trouve ça de toute beauté. Et bref, je crois qu'on a fait du coup après le tour. On a testé les deux nouvelles swords qui est du coup la Freezing Soul et la Neptune Soul qui est du coup juste ici. Là, les deux petites swords qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent. Donc, qui viennent de sortir dans l'update 2 de Halloween de One Fruit. Et puis sur ce, on arrive du coup au terme de cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, n'hésitez pas le petit pouce bleu et allez jouer au jeu. Vraiment, c'est gratuit, ça fait plaisir. Franchement, je joue au jeu, éclatez-vous. Personnellement, moi, je kiffe le jeu. Je suis pas payé pour faire des vidéos. Moi, je suis juste. Juste, ils me donnent les fonds en permanent. Comme ça, je fais mes vidéos. Comme ça, je suis trop heureux. Mais franchement, les gars, je vous le dis, redis, le jeu, il y a quoi 5000 membres, 6000, 8000. Quand il y a des updates. Par exemple, là, c'est l'update, il y a 8000 membres. Le jeu est très peu populaire. Pourtant, je le trouve très, très cool. Après, peut-être qu'à Farm, il est un petit peu long. Je vous l'accorde, il peut être un petit peu long. Mais bref, on arrive au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à y jouer. Dites-moi vos retours sur mon Discord ou en commentaire. C'était CRAB, prenez soin de vous les BG et ciao tout le monde, bye bye.